Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors, ce vlog-là sera surtout sur Traumatica, Europa Park et tout ça, et aussi sur ma lecture en cours qui est celle-ci. Oui, j'ai terminé mon autre le livre que je lisais juste avant. Du coup, vous l'aurez dans l'update lecture du mois d'octobre. Et du coup, j'ai commencé celui-ci hier soir. Juste pour vous dire, je n'ai lu que le prologue. Que le prologue et le chapitre 1. Eh ben, si vous voulez savoir dans quoi vous lancez, vous avez juste à lire la première page du prologue. Là, vous savez dans quoi vous lancez. C'est dégueulasse. Dégueulasse. J'ai déjà mis, alors je sais pas si vous allez voir, hop, trois post-it blancs. Alors, ils sont blancs, puis avec la lumière derrière, ouais, il n'y a rien. Il y en a un là, et il y en a deux là. C'est des passages, mais ah, ils sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses. Et il y a deux violets. C'est monsieur, le personnage masculin. Il est chaud, lui. Il a chaud, punaise. Il lui en faut peu. Il lui en faut vraiment peu. Ils me font bien rire. Là, franchement, faut se dire, c'est déjanté. Franchement, parce que rien que le prologue et le chapitre 1, je suis en mode... Ah, d'accord. D'accord, bon. Donc du coup, je vais essayer d'avancer au maximum. Je sais pas trop si je vais pouvoir avancer aujourd'hui et demain, parce qu'aujourd'hui, il faut que je prépare le sac pour Europa Park, que je sois tout, que soit bon. Déjà, là, j'ai la batterie externe pour le vlog, que je puisse avoir de la batterie sur mon téléphone qui est en train de charger. Normalement, ça devrait être bon. Elle, normalement, elle peut me faire toute la journée. Et il faut que je regarde si j'ai tout ce qu'il faut pour le sac. Normalement, oui. Et j'aimerais bien faire ma case Zelda de cette semaine. Vu que dimanche dernier, j'ai réussi à faire la ligne sur la Halloween Cat, qui était bah, du coup pour cette semaine, ce qui est très bien. Il faudrait au moins que j'ai fait ma case Zelda. Comme ça, au moins, dès qu'on est revenu de Europa Park et Traumatica, bah, je peux reprendre la Halloween Cat derrière. J'aimerais bien. La case Zelda, j'ai toujours posé qu'une seule couleur, hein, j'ai rien fait d'autre. Mercredi, j'ai passé ma pause de midi et ma soirée à faire du montage. Normalement, vous avez des vidéos, je crois, si je ne me trompe pas, jusqu'au 11 octobre. Vu que quand j'ai des vidéos, je vous les poste tous les 2 jours. Bon, bah, quand j'en ai pas, bon, bah, vous n'en voyez pas, tout simplement. Et si je me débrouille pas trop mal, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, il y a moyen que vous ayez la Halloween Cat en compte-rendu de fin de toile. Il y a moyen, si je me débrouille pas trop mal. Sachant que là, pour le challenge Halloween vs Christmas, je n'ai pas encore marqué de points. Et du coup, j'aimerais bien faire d'autres toiles. Enfin, surtout liquider les petites. Hein. Vous savez, j'ai dans l'objectif de liquider au niveau du diamond painting. Donc, du coup, j'ai fait tous les objets que j'avais à faire en DP. Et ben, j'aimerais aussi voir, du coup, sur quoi je pars l'année prochaine. Est-ce que je pars sur les partiels ou est-ce que je pars sur les petites toiles? Mais pour ça, il faut que j'avance, dans mon stock. Donc, moi, je vous reprends quand j'ai avancé quelque part. Voilà. Et sinon, bah, dans tous les cas, je vous prendrai samedi toute la journée avec nous à Europa Park, à Traumatica et tout ça. Sachez juste que ça va commencer tôt. On part à 4h30 du matin. C'était prévu 5h30. Mais au final, on part à 4h30. Parce que j'ai bien lu le papier. Nous. Vu qu'on a une chambre dans un hôtel du parc, on peut rentrer à 8h30 dans le parc au lieu de 9h. Et certains manèges sont déjà ouverts à 8h30. Donc il faut qu'on se présente une demi-heure avant à l'hôtel. Donc à 8h, il faut qu'on soit à l'hôtel. Et à 8h30, il faut qu'on soit devant la grille qui est du côté des hôtels parce qu'il y a deux entrées à Europa Park, l'entrée principale par laquelle je ne suis jamais rentrée, et l'entrée des hôtels. D'ailleurs, l'entrée principale, il va falloir que je vois où c'est, parce que c'est à la sortie de l'entrée principale qu'est Traumatica. Voilà, donc ça, c'est toute une histoire encore. Donc voilà, je vous reprends un peu plus tard. Alors, le vendredi soir, je suis allée faire le plein de ma voiture et j'en ai profité pour passer au Jiffy qui était juste à côté de la pompe à essence. Donc du coup, j'ai fait un petit tour, il n'y a pas encore tout qui est en place. Donc là, hop, une petite citrouille noire avec une petite sorcière dedans. Donc vous êtes en accéléré pour pas que ça dure trop longtemps. Les petites araignées
avec le squelette. C'est aussi dans ce Jiffy-là que j'avais vu les énormes citrouilles à 60€ unité, mais elles y sont déjà pu, tout a été liquidé vu qu'il y avait du moins 30% à partir de 50€ je crois d'achat, donc c'était sûr qu'elles allaient partir. Donc là vous avez tout le côté où ils ont mis du Disney. Bon, moi je suis pas très très fan de faire du déco Disney Halloween, mais il en faut pour tout le monde. Là, c'est les grosses araignées que j'ai achetées l'année dernière. Elles sont géniales. Elles résistent super bien à la pluie. Elles sont top de chez top. Si vous voulez des araignées énormes. Bon, là, normalement, il y avait une musique, mais je voulais couper. Là, on a les petits loisirs créatifs Halloween. Donc, il y a toujours... très peu, hein, il n'y a jamais rien d'extraordinaire. Là, j'aurais bien aimé reprendre le sequin art pour faire ça, mais bon, ça me prendrait un temps fou. Puis il faudrait que j'en rachète parce que j'aurais jamais assez de couleurs avec le stock qui me reste. Alors, tous les magasins Jiffy, comme la foire fouille, c'est le responsable de chaque magasin qui passe les commandes, donc c'est pas pareil partout. Donc là, je vous ai pas pris quand on s'est levé le samedi matin à 4h du mat là. J'ai fait une photo pour le Insta pour vous prévenir qu'on était bien arrivé à l'hôtel à Europa Park. Donc là, on était à l'hôtel Bell Rock. Et sachez que j'ai beaucoup plus apprécié mon expérience que l'hôtel Colosseum. On avait une chambre, je crois qu'ils ont appelé ça une chambre de luxe, donc dans les 400€ je crois, enfin je sais plus trop combien c'est le prix, mais je crois que c'est le même prix si vous êtes plusieurs. Et la literie était géniale, pour une fois c'était pas dur comme du béton, c'était génial, j'ai super bien dormi. Alors aussi peut-être que plus de 24h debout, puis à courir dans tout le parc ça a peut-être des conséquences, mais franchement j'ai beaucoup aimé cet hôtel et... je vous le conseille. Par rapport au Colosseum, j'ai beaucoup plus apprécié. Donc là, ils avaient mis une déco à l'extérieur de l'hôtel. Je pense que chaque hôtel, ça doit être différent. Il y a des citrouilles partout à l'extérieur de l'hôtel. Hein, vraiment partout, partout. Ensuite, à l'accueil de l'hôtel, il y a des décorations d'Halloween. Il n'y en a que à l'accueil. Mais il y en a déjà pas mal, franchement. C'est vachement bien fait. C'est très joli. Donc vous avez des employés qui parlent allemand, anglais et français. Bon, le mieux c'est quand même vous parliez anglais, mais il y en a quelques-uns qui parlent français. Sinon, bah, vous prenez l'application sur le téléphone, vous parlez à votre téléphone et il traduit direct en allemand et comme ça c'est mieux pour eux. Privilégiez de mettre l'allemand sur votre téléphone parce que même eux, ils parlent anglais mais ils parlent quelques mots. Des fois c'est pas terrible, même eux ils comprennent pas ce qu'on dit en anglais. Donc ensuite, on est sorti par derrière de l'hôtel. Donc vous avez vu la photo que j'ai prise devant l'hôtel. Là, on est derrière l'hôtel. Et derrière l'hôtel, il y a tout un bar. Sur, quand vous regardez l'image, c'est à gauche du phare. Et on a toute une extérieure pour boire dehors. Et qui donne sur le chemin pour aller au parc. Donc là, vous avez le chemin pour aller au parc. Je vous montre l'hôtel vu d'un peu plus loin, il est vraiment énorme. Hein. Bon, monsieur qui est en admiration devant les colonnes, hein, quand on travaille dans le bâtiment, c'est pour toujours. Donc voilà, là on a la petite arche, normalement on est censé passer par là, mais on peut passer aussi à droite. On passe par où on veut, honnêtement. Et là, je voulais vous filmer, c'était la piscine de l'hôtel et on voyait la fumée qui sortait, il y avait des gens qui se baignaient. Petit rappel, il est 7h30 du matin quand on est arrivé, hein, 7h30, 8h à peu près. Parce que du coup, on a eu pas mal d'avance et heureusement parce qu'on a eu des imprévus. Donc là, c'est le chemin pour aller au parc. C'était pas décoré les chemins entre les hôtels, c'était pas plus mal. Et ensuite, on a pu rentrer dans le parc à 8h15 et en fait certains manèges, pas tous, il faut regarder. Je sais que le Blue Fire c'est le cas parce que c'est celui sur lequel on s'est précipité, mais certains manèges ouvrent à 8h30 pour nous qui sommes à l'hôtel et à 8h15 ils nous ouvrent la grille pour qu'on aille se poster dans les files d'attente.
Alors au début, on voulait aller à Voltron, mais Voltron n'avait pas le droit d'y aller. Il n'y a qu'à 8h30 qu'on pouvait accéder à cette zone-là, la zone était bloquée. Donc après, on a foncé vers le Blue Fire. J'ai essayé de vous filmer au mieux que je peux, donc je vous ai quand même mis en accéléré, sinon ça aurait été méga long. Mais comme vous voyez, il y a quand même pas mal de citrouilles partout en décoration. Il n'y en a pas dans tout le parc, mais il y en a quand même pas mal pour qu'on ait vraiment cette couleur orange, ce côté automnal. C'est vraiment très joli. Donc là, vous voyez, il y a quelques petits personnages sur des bicyclettes à la droite. Là, on a une calèche avec des chevaux squelettes et des personnages. Vous les reverrez à la fin parce qu'on a été obligé de tourner à gauche. Je suis désolée, vous verrez souvent Monsieur de dos, hein. Je le suis. Bon, bien sûr, on n'a pas fait de manège qui était dans l'eau, hein. On était équipés pour pas avoir froid, donc on a évité les manèges dans l'eau. Perso, j'avais un shirt plus mon jean, j'avais deux paires de chaussettes, j'avais un t-shirt manche longue, un t-shirt manche courte, un pull manche longue, un manteau sans manches doublé, un tour de cou, une écharpe. Et j'avais des gants si jamais l'alu sur les manèges est très froid, ça brûle les doigts. J'avais des gants au cas où, mais il faisait pas assez froid pour ça. Donc, et si vous avez un tour de cou et que vous pouvez le monter jusqu'au-dessus du nez, c'est pas plus mal. Au moins, vous avez moins froid quand vous êtes en plein dans le manège. Donc là, ils avaient fait toute une tour avec une grosse citrouille en haut. C'était magnifique. Je vous mets la photo de monsieur. Parce que bien sûr, quand je filme, je peux pas prendre les photos. Là, il y avait une grosse sorcière, mais elle était vraiment pas belle. Donc c'est pas grave. Elle était pas belle, celle-là. Donc là, vous voyez, il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Donc vu que tout le monde allait directement vers les manèges qui étaient ouverts, nous, on pensait pouvoir se poster pour Voltron, mais non, là, vous voyez, il y a un monsieur qui bouge tout devant. Donc du coup, il bloque le chemin pour aller à Voltron. Hein. On ne peut pas y aller pour le moment. Alors dans le parc, il y a un seul distributeur de billets si jamais vous voulez de la monnaie. Il est vers l'entrée slash la sortie pour ceux qui sont à l'hôtel. Donc là, comme vous le voyez, ils nous ont mis un petit mouton qu'ils ont décoré avec des mini citrouilles. Et ils nous ont fait la même chose avec un petit cochon, mais des citrouilles un peu plus pâles. Là, vous voyez le gros requin emblématique d'Europa Park. Il est énorme. Donc là, c'est là où il y a les gaufres glaces qui sont très bonnes, mais on n'en a pas pris parce qu'il faisait pas assez chaud pour ça. Le petit endroit où on a le personnage mécanique qui se tient. Là, on en a un aussi qui pêche. Et le premier manège qu'on a fait, le Blue Fire. C'est un manège, pour moi, il est dans le top 1. Lui et Voltron sont mes préférés. Ils sont magnifiques. Donc là, vous voyez les gens sur le manège. Le manège est tellement bien harnaché qu'on est trop confort. C'est méga confort, j'adore. Donc là, on repasse vers le requin. Donc on a fait le Blue Fire, c'était génial, j'ai adoré. Et là, on va aller vers Voltron. Donc on va passer par là, c'est plus rapide. Au bout d'un moment, à force de faire le parc, on connaît chaque petit recoin. Ouais, la première fois que vous y allez, c'est jamais évident, mais mettez bien l'application Europa Park sur votre téléphone. Donc là, vous voyez, on a une petite cabane un peu style fantôme. Je vais vous filmer dans le manège plus tard et c'était vachement sympa avec la musique et tout, c'était vraiment bien ce manège. Sachez que dans Europa Park c'est vraiment enfantin, c'est Traumatica qui est vraiment hard, mais là dans Europa Park c'est vraiment très enfantin. Mais ce manège est génial et en plus c'est long, enfin c'est long, entre guillemets c'est plus long que d'habitude, mais c'est vachement bien. Magnifique citrouille de partout. Là, vous voyez le manège. En plus, vous voyez les fauteuils avec l'effet matelassé. C'est super bien harnaché. On est bien dedans. On est vraiment bien. Moi, pour moi, les manèges comme ça, c'est génial. On est bien harnaché. On est bien confort.
Et moi perso, les manèges en bois, je peux plus. On a refait le Vaudan parce qu'on connaît, on a voulu faire tous les grands 8. Bah non, je le referai plus parce qu'en fait, ça vibre tellement que ça m'a filé une migraine pendant 3 heures derrière. J'étais pas bien. Donc moi, pour moi, les manèges en bois, quand je connais pas, je fais. Quand je connais, je le refais pas parce que les manèges en bois, c'est sympa, hein, mais c'est pas confort et c'est pour avoir la migraine toute la journée, c'est pas la peine. Donc là, c'est la petite arche qui nous arrose en plein été, mais bon, là, je sais pas, on sentait pas d'eau. C'était juste un effet de brume. On sentait pas vraiment l'eau par rapport en été où c'est plus intense. Donc là, vous le voyez, le Romire qui est juste derrière, on l'a refait. On n'a pas du tout aimé parce qu'ils nous ont changé la musique. Et du coup, ça a pas une aussi bonne ambiance. Et du coup, ben, sans la musique, je trouve le manège vraiment... bah pas du tout intéressant, donc voilà, tant qu'ils auront pas remis la musique, je pense que je leur ferai plus parce que c'est pas fou fou sans la musique qui te met dans l'ambiance. On avait quand même pas mal d'araignées en décoration. Il y avait des chemins complets vraiment où il y avait des petits fantômes, il y avait des petites citrouilles et tout ça. Il y avait quelques endroits aussi où il n'y avait rien du tout, où c'était la déco habituelle. Mais je pense que c'est parce qu'une certaine partie servait pour Traumatica, donc ils ne pouvaient pas tout mettre dans le parc Europa Park. Donc là, vous avez la grosse citrouille où tout le monde prenait une photo. J'essaie de passer aux endroits où il y avait le moins de monde pour tout vous filmer. Parce que quand il y avait beaucoup de monde, bah, vous voyez rien. Vous voyez pas la déco. C'est pour ça que vous avez pas mal de coupures. Là, vous aviez une peluche spécifique pour Halloween de Pikachu. Et là, on avait des petits maïs mis en scène. Alors, je vous avouerai qu'ils étaient flippants. Ils étaient flippants, ces maïs. On a une petite mise en scène. Là, on avait le train qui passait sur le passage pour aller à la partie où c'est Arthur et les Minimoys. Voilà, dans le secteur Arthur et les Minimoys, il n'y avait pas du tout de citrouilles. Il y avait trois citrouilles, mais tout en haut du toboggan, parce qu'il y a un petit coin pour les enfants où il y a des toboggans et tout ça. Il y en a un peu partout dans le parc, des petits jeux pour les enfants qui peuvent vraiment faire aucun manège. Mais il y a tellement de manèges que peuvent faire les plus jeunes. Hein. Vraiment, il y en a énormément. Il y en a pour tous les âges et pour toutes les sensations. On avait le personnage qui parlait en français, en anglais et en allemand, donc il se répétait. Bien sûr, petite photo avec l'épée. Donc là, on se dirigeait pour aller manger au Foodies, donc c'est un restaurant vraiment connu à Europa Park parce que les plats sont livrés par des loopings. Et franchement, c'est des burgers, rien d'extraordinaire, c'est des burgers bons. Ils sont pas mauvais avec du pain mauvais, non, ils sont bons. Mais par contre, pour la première fois, j'ai goûté leurs nuggets, elles étaient trop, trop bonnes. C'est pas des nuggets genre McDo, non, non, c'est des vrais nuggets avec de la vraie panure vraiment bonne. Là, il y avait deux petites citrouilles où ils ont peint des visages. Je vous mets les photos de monsieur. Là, vous voyez de l'autre côté la petite scène. Là, on retourne vers les maïs, d'autres maïs de l'autre côté,
Là, on en a aussi. Donc là, c'est direction le food loop. Donc pendant que monsieur faisait la queue, moi j'allais vous filmer quelques plans. Donc là, on avait des personnages du spectacle d'Halloween. Alors attention, c'est un spectacle enfantin, il n'y avait rien d'horreur. Qui se promenaient dans le parc quand ils ne faisaient pas leur spectacle, bah, pour attirer les gens tout simplement. Il y a eu aussi d'autres personnages, mais je n'ai pas les photos qui étaient sur les échasses. Il y en avait une, elle était super belle, elle était magnifique. Il y avait aussi la faucheuse et tout. Donc là, voilà le restaurant. Donc vous êtes à votre table, vous avez une tablette, vous commandez sur la tablette et c'est servi dans les loopings. Il y a juste genre les cafés, les thés et tout ça, c'est pas dans les loopings parce qu'il n'y a rien pour empêcher que ça coule partout. Et il n'y a que les choses qui ne craignent vraiment rien qui vont dans un looping. Là, c'est juste à la descente. Là, c'est des choses où ça risque pas de se renverser. Genre, vos plats ne sont dans les choses comme ça. Là, vous avez vu, hop, il y a un petit looping gris. Vous laissez avec le manège dont je vous parlais. Ensuite, après, on a pu aller faire un manoir, le seul qui est dans Europa Park. Par contre, ne soyez pas surpris, vous verrez pas grand monde dans le manoir, tout simplement parce qu'ils étaient en pause. Donc, on pouvait le faire, le manoir, bien sûr, mais ils étaient en pause, donc il manquait plein de personnages dans ce manoir-là. Non. Allez.
Je vois pas où je vais. Le compas. T'as raison. Ah! C'est pas fini. Pas fini. Non, 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 non. Attends. Je vois rien. Je vois pas où je mets les pieds. J'ai peur de faire mal à quelqu'un. Ensuite, là, vous voyez la pyramide qu'ils avaient faite de citrouille. Là, ils avaient... Alors, je l'avais jamais vu, cet endroit. En fait, vous avez des magasins avec plusieurs marques. Vous avez des magasins, je crois, avec Puma, Adidas, y a Lint aussi, il y a plein de choses différentes. Et là, en fait, ce magasin-là, c'était spécifiquement sur les fringues de sport et le foot. Et derrière, vous aviez des auto-tamponneuses avec un ballon. Voilà, ils avaient décoré l'endroit pour Halloween. Donc là, on a recroisé les personnages du spectacle. Ensuite, on est allé au manoir hanté entre guillemets de Europa Park qui était fermé pendant quelques années et qui a été totalement refait. N'emmenez pas les enfants dedans. Hein. On a vu une maman y aller avec sa petite de 5 ans. Bon, elle fait ce qu'elle veut, mais la petite était terrorisée après. Donc à l'entrée de ce manoir, il y a un personnage qui vous crache dessus. Donc faites gaffe de ne pas vous le prendre dans la tronche. Et ce manoir est vraiment bien fait. En fait, ça fait peur, bien sûr, c'est le but, mais c'est bien fait, c'est propre, on voit que ça a été refait, on voit que c'est nickel et tout. Bon, ils sont vraiment moches, les personnages, hein, qu'on soit d'accord, hein, ils sont vraiment moches. C'est le but, mais c'est vraiment bien fait, je trouve. À plusieurs parcs que j'apprécie beaucoup, que j'aime leur manoir hanté, ils devraient prendre exemple et refaire à neuf leur manoir. Thank you.
Ensuite, on est allé au manège. Je crois que c'est Plane quelque chose, je sais plus. Il est à l'entrée du parc, vraiment à l'entrée. C'est Plane quelque chose et en fait, c'est un. Vous êtes harnaché et en fait, vous avez les pieds dans le vide et vous avez plein de scènes avec des odeurs et tout ça. C'est vachement bien fait. C'est vraiment bien fait, j'aime beaucoup. Le siège bouge, vous avez les secousses et tout. C'est vachement sympa, vous avez l'odeur des sapins, quand on arrive au niveau des sapins, vous avez plusieurs odeurs différentes, c'est pas mal à faire, c'est pas mal. Et ensuite, j'avais vu un manège, je l'avais vu grâce à un TikTok, mais alors je saurais plus vous dire qui, une petite mamie avec ses cakes et ses dinosaures. Je me suis dit, ouais, on peut pas aller faire le gros manège, le French Cancan, parce qu'il y avait des heures de queue, c'était pas possible. Et dans mes souvenirs, on n'avait pas trop aimé, donc je me suis dit, c'est pas la peine. Je me suis dit, bah celui-là, il est juste à côté, mais il est vraiment à côté du French Cancan. Du coup, on s'est dit, bah tiens, on va aller voir. Et en fait, donc c'est sur des dinosaures. Et le système d'assises dans ce manège, c'est un peu comme les manoirs hantés. Et en fait, c'est vraiment bien fait. C'est joli, c'est très joli. C'est propre, c'est bien entretenu, c'est vachement sympa. Franchement, hein, si vous avez un enfant qui aime les dinosaures ou si vous aimez les dinosaures, franchement, allez-y. Bon, je vous ai coupé certains moments qui étaient vraiment trop sombres pour la caméra, comme pour le manoir hanté. Hein. Mais franchement, il est sympa. Thank you.
Ensuite, vous allez avoir la parade. Il est magnifique. Ah ouais, bah trop tard. This is Halloween. Oh, this is
Tu m'étonnes, ouais. Là, en rentrant pour aller à Traumatica, on a croisé la plus grosse araignée qui est en décoration. Et juste pour vous expliquer comment aller à Traumatica, parce que c'est très mal indiqué, vraiment très très mal indiqué, donc je vais vous expliquer si jamais vous voulez y aller. Si vous n'êtes pas à l'hôtel, il vous faudra revenir à l'entrée du parc qui est normalement ici. Il est possible que je me trompe parce que je suis jamais passée par l'entrée du parc qui est ici. Il vous faudra revenir jusque là, voilà, jusqu'ici, là. Vous faites tout le chemin là. Et vous avez un chemin normalement par là ou par là pour arriver par ici. Parce que Traumatica se passe ici. Donc pour ceux qui sont à l'hôtel, nous on rentre par ici. Voilà, on rentre par là, ici. Et vous avez une espèce de train qui passe dans un peu tout le parc. Là vous voyez ces rails ici, là. Vous le voyez ici, là, qui passe. Là, on a une gare. On le voit ici. On le voit qui passe un peu partout. Et bien, en fait, vous allez à votre gare de l'hôtel. Vous allez ici.
La nana, elle vous fera monter dans le train qu'à partir de 18h30, pas avant. Elle n'a pas le droit de vous faire monter avant. Donc elle vous fera monter dans le train à 18h30. Hop, vous allez aller directement en Grèce. Voilà, donc la gare, elle est juste là. Vous allez y directement descendre ici. Il va y avoir des vigiles qui vont vous attendre. Sachez-le, parce que Traumatica ne le dit pas, il vous est interdit de rentrer dans Traumatica avec de l'eau. Il vous est interdit de rentrer dans Traumatica avec de la nourriture. Il vous est interdit de rentrer dans Traumatica avec un liquide, que ce soit un parfum, un gel hydroalcoolique ou autre. Et il vous est interdit de rentrer dans Traumatica avec une arme blanche. Ou une arme, peu importe. Ça veut dire que vos kits de manucure, enlevez-les. Voilà. Ne venez pas avec au parc si vous n'êtes pas à l'hôtel. Et si vous êtes à l'hôtel, allez tout déposer à l'hôtel. Voilà. Un petit ciseau d'un kit de manucure, c'est interdit, poubelle. Vous pointez avec une gourde ou autre chose, c'est poubelle, ou alors ça sera laissé sur les bancs de la gare. Donc si quelqu'un veut l'embarquer, il pourra l'embarquer. Il y avait une nana devant nous, elle avait un parfum, elle a été obligée de le jeter. Voilà, plein de choses comme ça. Ils n'en font pas la pub, ils ne le disent pas, mais ils devraient. Ne vous pointez pas avec à manger, à boire, un ciseau ou autre. Non, parce que justement, ils protègent les visiteurs et justement, bah, ils veulent que vous consommez pendant Traumatica, parce que dans Traumatica, vous pouvez acheter de l'alcool. Voilà. Dans le parc, vous le voyez très peu et même, c'est très dur à trouver de l'alcool, mais dans Traumatica, ben, il y en a. Il y en a pas mal, et en plus, nous, quand on y allait, c'était aussi la fête de la bière. Donc, du coup, voilà. Ils font en sorte que vous consommez. Donc, voilà. Sachez qu'il y a plein de choses pour manger et boire, et on a mangé un sandwich, et c'était très bon. Il y a plein de choses intéressantes pour manger. Mais bon, bien sûr, c'est cher, hein, on est dans un parc. Mais voilà, sachez-le, ils vous feront tout jeter. Donc, si vous êtes à l'hôtel, allez tout vider avant. Nous, d'ailleurs, on en a profité, parce que vu qu'on ne pouvait pas monter avant 18h30 dans le train et qu'on était à la gare déjà à 18h, on en a profité pour aller récupérer les clés de notre chambre d'hôtel et déposer nos affaires, mettre en place toutes nos affaires dans la douche et tout ça. Comme ça, c'était fait, vu qu'on ne retournait pas dans la chambre avant à peu près 1h du matin. On a tout préparé. Donc, vous arrivez ici. Et en fait, vous allez trouver un petit chemin. De toute façon, il y a des vigiles partout, il y a des employés partout. Ils vont vous expliquer par où on passe. Et c'est ici, Traumatica. C'est ici. De toute façon, Voltron est ici. Et Voltron, on le voit depuis là. Depuis là. Donc, Traumatica est ici. Et en fait, Traumatica est en place toute l'année. Ils ne le démontent pas. En fait, vous avez des panneaux à l'intérieur du parc qui vous bloquent l'accès à Traumatica. Mais Traumatica est là toute l'année. Mais vous pouvez y rentrer que à partir d'Halloween. Donc du coup, on est rentré et je vais vous laisser avec le moment où j'ai pu les filmer parce qu'il faisait encore jour et vous les voyez bien. Et c'est pour ça que j'ai essayé de vous laisser le son au maximum pour vraiment vous ayez l'ambiance dans le parc. Cinéma macabre, oh putain, t'es pas cool. Ah bah écoute, un peu plus près. Ah ouais. Bah je crois qu'il y a lui, lui et lui. Sinon il y en a 7 hein. Il va falloir tenir les 7. On en a fait combien pour que je te dise ? Les éléchants, vous êtes plus. Il va faire chier.
Oh, le lapin, il est terrorisant. Il est pas du tout rassurant, mais alors pas du tout. Des comédiens ou pas, il y en a, ils sont habillés trop normalement. Donc monsieur a choisi le premier manoir, donc on a pris le premier qui arrivait dès qu'on arrivait, parce que il est très connu à Traumatica qu'en la soirée, donc de 19h30, je crois qu'on peut rentrer, ouais, 19h30, que les manoirs s'ouvrent, jusqu'à 23h30 que les manoirs s'arrêtent. On n'a pas le temps de faire les 7 manoirs, à moins que vous ayez pris le pass express, sinon vous n'avez pas le temps de faire les 7 manoirs. Nous, on a réussi à en faire quand même 5, il nous en a manqué 2. Mais sachez-le, attendez-vous à des 1h de queue. Alors au début, nous, ça allait parce qu'il faisait pas trop froid, mais arrivé 22h, il faisait très très froid. Donc prévoyez de quoi avoir chaud. Et donc là, on a commencé par le cinéma macabre. Donc les personnages rentrent directement dans la file d'attente. Hein. Les personnages viennent directement dans la file d'attente et vous occupent au maximum pour que vous ne voyez pas le temps passer, c'est leur travail. Mais sachez que pour vous rassurer, les personnages n'ont pas le droit de vous toucher et vous n'avez pas le droit de les toucher. Il y avait un concert pendant la soirée où on était là, il y avait un concert qui est passé, je crois, de 20h jusqu'à... de 19h30 jusqu'à 21h, et après il a recommencé à 21h jusqu'à 22h30, 23h. Laisser le passage pour vous montrer à quel point c'est hard et du coup il faut être accroché. Un personnage fait peur à une
à une jeune femme. Et son copain l'a rattrapée, je vous rassure, elle est juste tombée sur les fesses, ça s'est pas fait mal. Et du coup, le personnage a constaté quand même qu'elle s'était pas fait mal. Et il a rien dit, il regardait son mec pour être sûr qu'elle s'est pas fait mal. Et du coup, après, il continuait son boulot de lui faire peur. Et donc du coup, tous les autres personnages se sont pointés, elle s'est retrouvée avec 4 personnages sur elle alors qu'elle était terrorisée. Donc c'est hard, il faut le savoir. Ce que je peux vous donner comme conseil, si vous voulez vraiment pas que les personnages constatent que vous avez peur, c'est de les fixer droit dans les yeux. Voilà. Vous ne prêtez pas attention avec tout ce qui fait, tout ce qui se passe autour de vous. Vous fixez le personnage droit dans les yeux, il va se rendre compte que vous n'avez pas peur. Il va passer à quelqu'un d'autre qui tremble, qui bouge, qui se cache. Voilà, c'est vraiment les trucs qu'il ne faut pas faire, c'est trembler, se cacher, bouger. Non, non, vous rigolez, vous souriez et vous les fixez droit dans les yeux. Vous allez voir, nickel, ils s'en vont. Alors du coup, voilà l'image du cinéma macabre depuis le tarot, puis le tarot ours. Donc le cinéma macabre, c'était vachement sympa. Hein. Pour moi, c'est celui qui m'a fait le plus peur. C'est lui qui m'a vraiment fait le plus peur. Alors est-ce que c'était parce que c'était le premier? C'est possible, mais il a une pièce, ce manoir, il a une pièce. Elle daube, mais elle daube. En gros, je vais pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais je vais vous dire en gros c'est quoi la pièce. C'est une cuisine, voilà. Elle pue, c'est une horreur. Et là, vous voyez un des personnages qui était à l'entrée du cinéma macabre. Et monsieur lui a dit en anglais, vous êtes très jolie. Et elle lui a répondu avec un doigt. Voilà. Ah, c'est ça, c'est au maximum. Là, c'est la vue du Voltron qui tournait encore pendant qu'on était en train de faire la queue au tarot ours, parce que Traumatica ouvre à 18h30, mais le parc... 19h30, pardon, j'en veux pour 18h30, mais non, il ouvre à 19h30, Traumatica, mais le parc Europa Park ferme à 20h, donc il y en a qui continuent à faire des manèges. Donc après, on est allé au tarot ours. Donc le cinéma macabre, c'est vraiment des passage de cinéma où ça fait peur, genre une cuisine, des machins, des trucs comme ça. Et là, tarot ours, c'est des sorcières. Donc elles vous mettent dans l'ambiance, et même si elles parlent pas français, parce qu'elles mélangent entre allemand et anglais, on comprend très bien ce qu'ils disent. Par contre, vous avez quelques personnages quand même qui parlent français pour certains manoirs, parce qu'il faut qu'ils vous expliquent ce que vous devez faire, parce que certains manoirs sont différents. Les personnages sont très compliqués à prendre en photo. Je pense qu'ils ont hâte de compliquer le fait qu'on les prenne en photo, pour pas trop que ça fuite les informations ou les personnages ou tout ça, parce que c'était très très compliqué de les prendre en photo. Moi, je voulais faire une photo avec le lapin, j'ai eu du mal à faire une photo avec lui, et monsieur a dû courir dans tous les sens pour réussir à le prendre en photo sans le bousculer, sans le pousser, sans l'énerver. Non non, il est resté respectueux. Après, alors le manoir, celui-là, j'ai pas pu le prendre en photo avec son affiche et tout ça. C'est le Murder Dome, si je me trompe pas du nom. Ouais, Murder Dome, qui normalement, si vous rentrez par l'entrée principale Traumatica. Donc là, voilà la carte de Traumatica. Donc là, c'est l'entrée principale. Et nous, on est rentré par ici. Voilà, nous, on est rentré par ici. Et donc là, vous avez le cinéma macabre, le terror ours. Et du coup, après, on est allé là parce que vous avez l'application Traumatica, vous pouvez voir les temps d'attente. Les temps d'attente sont mensongers, sachez-le. Quand il y avait marqué 30 minutes, en vérité, on attendait une heure. Voilà, sachez-le. Donc on est allé à celui-ci. Celui-ci, j'ai pas de photos, tout simplement parce que la file d'attente est vraiment extérieure. Et on n'a vraiment pas aimé. En fait, en gros, c'est un genre de laser game. Alors, j'adore le laser game, sachez-le. Mais en gros, on vous donne un flingue et on vous dit... on vous le dit en allemand. Donc, on n'a pas compris ce qu'on devait faire. On a fait au fur et à mesure. En fait, vous avez des monstres qui ont soit des serre-têtes, soit des espèces de trucs qui sont sur le torse ou à la taille ou autre. Et quand c'est vert, c'est qu'il faut l'abattre. C'est rouge, c'est qu'il est éteint. Et quand vous voyez des bleus, en fait, c'est vos alliés. Voilà, donc ça, on ne le savait pas, on l'a compris à la fin, une fois que c'était fini. Et en fait, c'était pas terrorisant, c'est vraiment lumineux et tout, on voit le jour et tout. C'était pas ouf pour moi. Franchement, celui-là, j'ai pas aimé.
Ensuite, on a fait celui des clowns. Voilà, lui, il avait marqué 30 minutes d'attente. Au final, on a attendu une heure. Ça a été méga long, mais par contre, il est génial. Il était trop drôle. Il y a même un chemin, c'est un labyrinthe. Tu sais pas comment sortir. C'est un des personnages qui nous faisait attendre dans la file d'attente. Et voilà, je vous ai mis la deuxième photo pour que vous voyez qu'il a un liquide noir dans la bouche. Et beaucoup de personnages avaient ça, un liquide noir dans la bouche. Donc, il faisait genre qu'il bavait, tout ça. Et font attention que vous prenez pas tout sur vous, je vous rassure. Si jamais ça tombe sur vous, vous pouvez demander à être nettoyé. Mais attention, s'ils ont le liquide noir, ça tâche. Ils font quand même attention parce qu'en fait, plus d'une fois, vous les voyez faire la scène et cracher par terre. Et en fait, vous voyez que ça reste la tâche par terre. Elle ne part pas. Donc, ouais, ils ont un liquide noir dans la bouche pour vraiment faire dégoûtant. Quand on arrivait à prendre quelques photos, c'était assez compliqué. Lui, ce personnage-là, il parlait en français, mais genre, il parlait en français. La seule chose qu'il disait, c'est « ta gueule ». Voilà, c'est la seule chose qu'il savait dire. Ensuite, il était déjà 23h15. On pouvait plus qu'aller dans une seule file d'attente. Si vous êtes dans une file d'attente avant 23h30, vous êtes comptabilisé. Si vous rentrez après 23h30, ils ne vous laisseront pas passer. Les files d'attente sont filmées et ils bloquent pas l'accès à rentrer dans la file d'attente en fait. Mais si vous rentrez après 23h30, ils vous laisseront pas rentrer dans le manoir en fait. À 23h30, les manoirs s'arrêtent et ils font passer ceux qui étaient dans la file d'attente avant 23h30, mais ceux qui rentrent après 23h30 ne passeront pas. Donc en fait, on a réussi à faire un dernier qui s'appelait The Hill, qui se trouve ici. Voilà, et en fait, j'ai eu l'impression que c'était un peu un genre avec des personnages de Stranger Things. Et monsieur m'a dit, ouais, il y en a deux, on dirait trop des personnages de Stranger Things au niveau de leur déguisement. J'ai jamais vu la série, mais j'ai vu quelques épisodes que monsieur m'avait montré. Et en fait, l'histoire, donc la nana, elle parlait français, allemand et anglais, parce qu'il nous envoie à plusieurs. On ne va pas tout seul dans les manoirs, on n'y va pas avec notre groupe à nous. En fait, on rentre avec notre groupe à nous, mais si on n'est pas assez nombreux par rapport à ce qu'ils doivent faire rentrer, ben ils en rajoutent. Donc du coup, là, on était plusieurs, et elle nous a expliqué que l'histoire, en gros, c'était des enfants sont perdus, il ne faut pas faire de bruit, sinon ça attire les monstres. Moi, honnêtement, il ne m'a pas fait peur celui-là. Il faisait nuit noire, du coup, c'était pas mal. Mais il m'a pas fait peur celui-là. Pas du tout, du tout, du tout. Rien. Et donc après, on n'a pas pu faire le Studio 13. Donc j'aurais beaucoup aimé le faire parce qu'en gros, c'était un peu comme le cinéma Maca, mais différemment. J'aurais aimé le faire. Par contre, on n'a pas pu faire un autre qui s'appelle Unknown. Enfin, celui-ci, là. Et en gros, monsieur a fait la recherche, celui-ci est un peu dans le même genre que celui-ci, où on te donne un flingue et il faut tirer. Bon, je suis un peu moins triste de ne pas l'avoir fait, parce qu'il était possible que ça ne me plaise pas. Donc bon. Et après, vous avez le manège du Pegasus, mais alors ça, c'était pas une importance. Moi, pour moi, la priorité, c'était les manoirs. Vous avez un spectacle ici. Vous avez un truc VR, mais bon, il y a deux trucs VR, mais bon, ça ne nous intéressait pas trop. Et sinon, vous avez plusieurs repas. Et ici, la petite étoile, c'est là où il y avait la scène, où il y avait le chanteur. Mais au niveau magasin, c'est ici que ça se passe. Donc à l'entrée, normalement l'entrée, pour ceux qui viennent de l'extérieur, elle est ici. Et là, vous avez le magasin où vous pouvez acheter plusieurs choses. J'ai pas pu filmer dans le magasin parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Mais c'était vachement sympa et j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup y retourner. Et si franchement, vous êtes à 2 heures de route aux alentours, vous pouvez y aller juste pour Traumatica. Franchement, si vous n'avez pas envie de faire le parc, vous pouvez y aller juste pour Traumatica. C'est vous qui voyez, mais bon, ce qui est dommage, c'est que ça ne dure pas assez longtemps. C'est court comme temps, et du coup, on n'a pas le temps de faire tous les manoirs. Alors après, j'ai acheté des choses à Traumatica et au parc. Je vous y montrerai peut-être plus tard dans le vlog, parce que en fait tout est parti au lavage. Donc je vous montrerai peut-être ça après. Donc ensuite on est parti, parce qu'en fait à partir de 23h30 à 23h40, le train pour retourner à l'hôtel ou pour retourner à l'entrée du parc se coupe, et donc du coup il faut tout se retaper à pied après. Et
Monsieur a quelques problèmes de cheville et de pied, et donc du coup là il n'en pouvait plus, il n'en pouvait vraiment plus, on a marché toute la journée, il était au bout du bout, il a tenu au maximum pour moi, mais il m'a dit je tiens plus, et de toute façon on peut plus rentrer dans les manoirs, c'est fini. Moi je lui ai dit de toute façon c'est avec les manoirs qui m'intéressaient, donc je lui ai dit de toute façon on peut plus faire les deux qu'on n'a pas pu faire, donc on peut plus rentrer. Donc je lui ai dit on va choper le train avant qu'on l'ait plus, parce qu'après il bloque le train, il faut tout se taper à pied. Et alors bon, se taper tout à pied de l'entrée de Traumatica jusqu'à l'entrée d'Europa Park, c'est une chose, ok, mais jusqu'à l'hôtel, ah non, c'est énorme, la distance est énorme. Et puis en plus quand tu connais pas, bah va trouver ton chemin, parce qu'il n'y a personne pour te guider. Il n'y a vraiment personne pour te guider pour aller à Traumatica. Il n'y a vraiment personne pour te guider pour retourner jusqu'à ton hôtel. Donc du coup, on a foncé vers le train, on a pu le prendre. On est rentré du coup à la chambre, il était minuit 15 à peu près. Le temps de prendre la douche et tout, il était 1h du matin quoi. Donc on était cuit. Et le lendemain, du coup, on avait le petit déjeuner qui était compris dans notre chambre. Et alors on s'est levé tard, on s'est pointé, il était 9h30 et je pense qu'ils arrêtent les petits-déj à 10h. Et donc du coup il n'y avait plus grand-chose, mais le peu qu'il y avait c'était super bon, c'était vraiment très bon. Moi qui avais trouvé le petit-déjeuner bof au Colosseum, et ben là au Bell Rock il était vraiment très bon, j'étais très contente. Et il y avait un aquarium super grand qui était très beau dans le restaurant. Je vous reprends, on est le mardi 15 octobre, ouais, je reprends vraiment loin après Europa Park, je suis vraiment désolée. J'ai pris des petites notes pour essayer de me rappeler de tout ce que je voulais vous parler, donc, alors, je vais essayer de faire le point à peu près. Donc, dimanche, après le parc Traumatica et tout ça, donc on est rentré. D'ailleurs, ça nous est plus rapide, nous, de rentrer d'Europa Park que d'y aller. On gagne une demi-heure, on n'a pas compris pourquoi. Je vous ai pas appris dimanche, tout simplement, parce que quand je suis rentrée, bah, j'ai foncé direct pour faire les machines à laver, que tout soit à jour, ménage et tout ça. Et dimanche, monsieur s'est reposé. Moi, j'avais fait une case sur la Zelda, donc qui est juste là, hein, vous voyez là. J'avais fait une case sur le chat d'Halloween de chez Diamond Art Club, et j'avais avancé sur ma lecture. Lundi et mardi, pareil, je vous ai pas pris parce qu'en fait, je m'occupais du montage du vlog. Ça m'a pris 2 jours, donc mes pauses du midi et mes soirées, à avancer sur le montage du vlog pour Europa Park et Traumatica. Le temps de couper toutes les scènes qui n'étaient pas intéressantes, de filmer ma voix pour la poser sur la vidéo, de vous mettre les musiques, de régler les sons, de régler les fluidités et tout ça. Voilà, ça m'a pris 2 jours entiers, donc à ce moment-là, je vous ai pas pris. Mercredi, j'ai avancé sur mes DP et j'avais fini mon livre, donc c'est comment Butcher, Blackbeard et... je sais plus le nom, je vous mettrai le nom du livre en couverture, parce que le nom, j'arrive jamais à le retenir. Je l'ai fini mercredi, donc je crois qu'on était le 9 octobre. Sachez que ce livre, je l'adore. J'ai acheté le tome 2. Le tome 2, je crois qu'il est sorti jeudi ou vendredi, donc le 10 ou 11 octobre. Je l'ai acheté tout de suite à sa sortie parce que j'ai adoré le tome 1. Et franchement, si vous aimez les livres style Halloween, moi je dirais, parce qu'en fait, oui, ce sont des meurtriers, mais ce sont des meurtriers... entre guillemets justifié, c'est vraiment entre guillemets, hein, attention, hein, parce que eux ils punissent ceux qui ne sont pas punis par la loi, donc ils les punissent, comme quoi c'est des gens qui ont à toucher à des enfants, qui ont à toucher à des femmes, qui mangent des êtres humains, voilà, tout plein de choses. De toute façon, si vous lisez les trigger warnings de ce livre, vous allez comprendre de quoi ça parle. Mais ce livre est vraiment génial pour Halloween. Et si franchement, le fait qu'il détaille ce qu'ils font, voilà, hein, parce que c'est dégoûtant, c'est vraiment dégoûtant. Et le fait qu'il y ait des scènes spicy très décrites ne vous dérange pas, franchement, lisez-le. Par contre, si vous aimez pas les scènes spicy, si vous aimez pas les trucs un peu... moi, j'aime pas les films d'horreur et j'aime pas les trucs gore, mais j'ai adoré ce livre. Je saurais pas vous dire. Par contre, quand je lisais ce livre et que j'allais me coucher, après, je passais 20-30 minutes sur mon téléphone pour penser à autre chose. Parce que sinon, j'allais penser aux détails qu'elle m'a donné juste avant dans le livre. J'allais pas dormir.
Mais ouais, en fait, c'est vachement bien. Ça change de tout le reste. C'est bizarre, mais je sais pas. J'aime bien. C'est bizarre, oui, mais j'aime bien. Donc voilà, mercredi 9 octobre, je l'ai fini. Le 10 et le 11, j'ai avancé sur mes toiles et je crois, si je me trompe pas, que le 11 octobre, donc vendredi dernier, j'ai terminé la toile de Halloween 4 de chez Diamond Art Club. Je vous mettrai la photo. Donc ça ne serait tardé que je vous fasse la vidéo du compte-rendu de fin de toile. Donc de toute façon, vous, quasiment dans les vlogs, vous avez eu tous les endroits où j'ai mis des strass. Sauf à deux endroits, mais si vous regardez les photos, vous voyez très bien où est-ce que c'est. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous avez direct comment j'avance sur les DP, soit dans mes stories, soit les posts directs quand je finis un DP, et vous avez mes avancées de lecture, hein. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous savez tout avant les personnes qui sont sur YouTube, hein. Samedi, j'étais clouée au lit parce qu'en fait, mardi, j'ai commencé à avoir mal à la gorge. J'étais vraiment pas bien et en fait, ça vient pas du fait que je suis tombée malade sur le parc. Non, non, j'étais super bien habillée, pas de problème. Ça vient du fait que lundi, je suis arrivée au boulot et toute la journée, ma collègue m'a toussé à la tronche et elle était bien malade. Voilà, mais vraiment, littéralement, toussé à la tronche. Le mot toussé à la tronche est véridique. J'en prenais des pop-off plein la tête. Voilà, donc j'étais bien contente et j'ai bien cru que j'allais lui enlever la tête du corps. Mais bon, donc du 8 octobre au 12-13, j'étais bien malade. Ça commence à aller mieux depuis lundi, donc depuis le 16. Mais samedi, j'étais clouée au lit, hein, j'ai pas bougé. J'ai réussi à faire une partielle. Dimanche, j'ai fait une partielle aussi. Et lundi, j'ai fait une partielle et j'ai un peu avancé sur ma toile Zelda. J'ai réussi à faire une ligne. Et là, je suis sur la deuxième case de la deuxième ligne. Donc, je fais cette case-là, je fais une partielle. Je ferai cette case-là, je refais une partielle. Je fais une 30-30. Je fais pas une partielle, je fais une 30-30. Et après ça, je pourrais me mettre sur une petite partielle de chez Diamond Art Club. Là, j'essaye de mettre un petit coup de boost, entre guillemets, parce que je sens encore les effets des microbes là. J'essaie de mettre un petit coup de boost parce qu'il y a quelques toiles que j'aimerais faire pour pendant la période Halloween, mais il y en a d'autres, je sais que je les ferai pendant la période hivernale. Déjà là, j'aurais passé toutes les petites, les partielles et la 30-30 Halloween, je les aurais passées, ça c'est cool. J'ai mis les 30-40 et les partielles Noël, je les ferai à partir de novembre, c'est pas grave, ça c'est pas urgent. Mais au moins, j'aurais fait celles qui sont sur le thème Halloween et ça, c'est cool. Là, en ce moment, je suis en train de lire La malédiction des roses. Alors, excusez-moi, vous êtes zoomé. Et voilà. Je suis en train de lire celui-ci, La malédiction des roses de K.F. Brin. Donc, des éditions... je crois que c'est Bookmark. Je sais plus. Oui, c'est ça, c'est Bookmark de la collection Lost Kingdom. J'ai presque fini, je suis à la page 247 et il y a 326 pages à peu près parce qu'il y a des pages simples et des doubles pages où il y a des dessins, donc c'est à peu près 300 pages ce livre. Je le lis parce qu'en fait le tome 2 justement sort demain. Le 16 octobre. J'ai pas fini à temps. C'est sûr que je le finirai pas ce soir ou peut-être, je sais pas. Mais je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que c'est très, très sur le... Je dirais pas smut, je dirais pas sexy non plus, parce que là ils ont mis attention sexy, dark et romance. Mais c'est très... Ça parle beaucoup de fesses, voilà. Ça parle beaucoup de fesses. Et alors, je sais pas si vous allez bien voir mes annotations, parce que vu qu'il est relié, c'est jamais évident. Là où j'ai mis les post-it orange, c'est que ça parle de fesses et que c'est nos personnages principaux. Les post-it un peu vert pâle, là, c'est les moments où je trouve ça drôle. Voilà, il n'y a pas beaucoup. Et les post-it un peu marron, c'est les moments de fesses entre les personnages principaux qui sont vraiment très intenses. Et encore, j'ai pas fini le livre. Mais sinon,
si je devais mettre un post-it à chaque fois que ça parle de fesses, bah, je mettrais un post-it à toutes les pages. Hein. Voire même des fois, j'en mettrais à chaque ligne. Parce que, en fait, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête. Mais en gros, c'est pas pareil que La Belle... C'est pas du tout La Belle et la Bête, même. En gros, la malédiction fait que... Comment vous dire sans vous spoiler ? Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, les succubes ? Les succubes, à ce que j'ai bien compris, c'est des créatures qui vous incitent à coucher avec elles, mais de façon très hard, mais très très hard. Ça prend la forme d'une personne qui vous plaît et vous faites l'amour avec le succube. Vous croyez que vous faites l'amour avec la personne qui vous plaît et en fait vous êtes en train de faire l'amour avec une créature horrible, laide, moche vous empêcherait de dormir toute votre vie. Bref, en gros c'est ça les succubes, mais c'est différent dans plein d'histoires. C'est jamais la même chose une succube. Mais en gros, si vraiment on mettait les grosses lignes, c'est ça. Et ben en gros c'est ça là-dedans. En gros, c'est ça. Et en fait, j'avais même pas passé le quart du livre que je me suis dit, ouais, je vais pas aimer. J'étais en mode, je crois que je vais le DNF, je vais pas aimer. Et en fait, j'ai poussé parce que le livre, il est beau, hein. Il est très beau. Hein. Puis il est petit, donc je me suis dit, Emma, continue, vas-y. Et là, je suis en mode, je sais pas, parce que je pique du nez dessus. Mais je pique littéralement du nez dessus, je m'endors dessus. Et je me dis, est-ce que c'est parce que je suis malade, je suis crevée ? Est-ce que c'est parce que je manque de sommeil ? Ou est-ce que c'est vraiment que le livre, il est... Voilà. Mais je sais pas. Donc, je sais pas si j'achète le tome 2. Je verrai à la fin du livre ma décision. Mais franchement, moi, perso, j'ai aucun problème avec les livres où il y a du spicy, où il y a des scènes de fesses, où ça fait des blagues sur les fesses, où c'est... je m'en fiche. Toutes ces choses-là, au contraire, ça me fait rire. Mais là, là, c'est indigeste. C'est vraiment indigeste. J'avais lu un livre, c'était comment c'était une louve avec un vampire, mais genre le livre, il faisait 100, 150 pages. Oui, ça ne parlait que de ça, mais je savais dans quoi je me lançais. Là, non. Attendez, on nous dit quoi déjà ? La bête, la créature qui hante la forêt interdite et mes pires cauchemars. Non, déjà, elle te hante pas tes cauchemars. Le prince dragon. Afin de sauver ma famille d'une malédiction qui tue tout le royaume à petit feu, je me vois dans l'obligation de m'infiltrer dans le territoire de la bête. Ce ne sera pas la première fois, j'en suis toujours ressortie, mais cette fois sera différente. Ouais, bof. Devenue sa prisonnière, je découvre que derrière la bête se cache un homme puissant, inquiétant et difficile. Il est le dernier métamorphe, mais sera-t-il notre sauveur à tous ? Pour ma part, j'ai bien peur qu'il ne signe ma perte. Ouais, non, mais le résumé... Alors, puis alors là, en plus, je viens de lire la page... je suis sur le chapitre. Je suis sur le chapitre 13. Et je suis en mode. Mais tu te fous de moi, ma grande ? Elle vient de tilter un truc par rapport au prince dragon. Je suis en mode. Mais tu te fous de moi ? T'as pas tilté depuis le temps ? Mais j'étais en mode. Mais quoi ? T'as pas compris ? Comment ? Moi, c'était écrit en gros avec un panneau d'affichage. J'avais compris depuis le début. Et toi, ma grande, tu viens seulement de tiquer ? Non, mais... Puis, il y a des moments, je me dis, est-ce que c'est mal traduit ou est-ce que c'est mal parlé ? Parce que, oh, des fois, ils disent des trucs, mais je me dis, oui, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais ça veut rien dire ce que tu as dit. Mais, oh punaise, mais je me dis, mais what ? Le livre est magnifique, oui, ok. Mais ce qui est dedans, non, ce qui est dedans, non, quoi, c'est pas possible, c'est, je sais pas, je vais aller jusqu'au bout du livre, si vraiment la suite m'intrigue et que je veux savoir, bon, je prendrai la suite, tant pis, mais franchement, je pense que si jamais j'achète le tome 2,
il y aura une grande partie, voire même 70% de ma décision qui sera due à la beauté du livre. Mais pas à ce qu'il y a dedans, à mon avis. Je pense que la décision qui fera que je voudrais lire la suite par rapport à ce qui est écrit dedans, je pense que ça sera 20% et c'est tout. C'est tout. Parce que là... Ouais, honnêtement, passez votre chemin. Non, moi, franchement, si je devais vous dire... Avant ce livre-là, j'ai lu... La fortune sourit aux acharnés. Bah, c'est mille fois mieux que ça. La fortune sourit aux acharnés, c'est mille fois mieux que ça. Oui, la fortune sourit aux acharnés, c'est très sombre. Mais c'est mille fois mieux que ce livre. Ah oui, de très loin. Même de très 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 loin, mon histoire avec les serial killers, c'est mille fois mieux que ça. Ah oui, non mais... À des années-lumière. C'est mille fois mieux que ça, mon histoire avec mes serial killers. Ah oui, au moins je sais dans quoi je suis. Non mais là... Là, en gros, devrait y avoir écrit « fesses par page ». Ah non, mais il n'y a que ça. Et dedans, vous avez quoi ? Alors, vous avez homme-femme, homme-homme, femme-femme. Vous avez le sexe entre deux personnes. Vous avez... Vous avez, attendez, il y a pour 3 personnes, il y a pour 4 personnes, il y a de tout. Vous avez la, comment on appelle ça? Les personnes qui aiment être attachées, il y a des, vous avez de ces détails, vous êtes en mode, ouais d'accord, ok. Alors ça ne me dérange pas, mais là franchement, ça rend l'histoire inintéressante. En fait, vous avez, je crois que vous allez avoir dans cette histoire... 80% de fesses et 20% d'histoire, en gros. Voilà. Et donc, moi, je voulais vous montrer les quelques petites choses que je me suis pris pour Traumatica. Alors, le premier truc que j'ai acheté, bien sûr, c'était le serre-tête avec les oreilles de lapin. Alors, les oreilles, vous pouvez les plier comme vous voulez, les mettre dans la forme que vous voulez. Moi, je l'ai mis en déco parce que je le trouve trop joli. Franchement, oui, bon, j'essaie, hein. Mais moi, je l'aime bien. Et en plus, elles sont méga douces. Hein. Elles sont vraiment très douces. Les oreilles sont plus jolies que le serre-tête. Mais franchement, moi, j'ai beaucoup aimé ce petit serre-tête. Bon, alors ensuite, vous êtes dans mon dressing. Hein. J'ai pris ce t-shirt-là de l'affiche Traumatica de cette année. Et ensuite, j'ai pris ce pull-là qu'ils ont sorti l'année dernière, que vous pouvez quasiment plus trouver. Celui-là, je l'ai pris en taille S. Et en fait, je cherchais en taille M, mais il n'existe plus en M, il n'existe plus en L. Et le S, là, c'était le dernier. Sinon, vous avez que des XL. Ils l'ont arrêté. Donc, en fait, vous avez le Traumatica Festival. Vous avez là qui est cousu. Des pièces rajoutées qui sont cousues. Vous avez, je crois... pas tous les manoirs. Et là, dans le dos, vous avez d'autres pièces. Et en fait, j'ai compris ce pull-là, pourquoi est-ce qu'ils l'ont arrêté. En fait, ils ont créé un autre pull Traumatica, où je crois que le Traumatica est écrit là, au niveau des fesses, en bas. Et je crois qu'il y a un petit Traumatica, là, sur la gauche de votre épaule, en bas. Et en fait, vous achetez les pièces seules, et vous, du coup, vous les mettez vous-même où vous voulez, et vous mettez que les manoirs qui vous plaisent. Comme ça, vous n'avez pas à voir tous les manoirs, s'il y en a qui vous plaisent pas, mais sachant qu'il y a 7 manoirs, et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 8 pièces. Ça c'est un manoir, ça c'en est un. 3, ça c'est sûr. Et puis il y en a, je sais plus qui est qui. Bah, je crois qu'en plus les pièces pour les manoirs ont changé sauf celui-là. Mais bon, moi je le trouvais beau ce pull-là, même si on va pas se mentir, lui il est méga moche. Mais au moins je l'ai. Je l'ai. Puis il me va très bien en S, sachant que moi je fais entre M et L. Voilà, en t-shirt. Bon, ensuite je suis dans ma cuisine, je m'excuse pour l'écho. Je me suis pris le mug Traumatica. Voilà. Avec les stickers qui sont déjà apposés dessus. Voilà. Et en fait, donc du coup, il s'ouvre comme ceci, tout simple. Et voilà comment il se dépiote. En fait, vous avez le bouchon. Vous avez cette partie-là où il va y avoir le liquide qui se visse
à l'intérieur de cette partie-là. Parce que vu que là, vous voyez, c'est des stickers qui sont collés, ça va pas du tout à laver à l'eau chaude, parce que sinon vous allez tout décoller. Donc si vraiment vous avez été tranquille, vous passez juste un petit coup d'éponge dessus pour le nettoyer, et lui vraiment vous y allez au savon et vous nettoyez à fond. Mais ça, pas trop nettoyer fort, ni surtout jamais à l'eau chaude, bouillante, ni au lave-vaisselle, parce que sinon vous perdez tous les stickers qu'il y a là-dessus. Donc voilà, je suis désolée, je vous condense tout pour essayer de vous donner toutes les infos, mais c'est parce que je vois que ce vlog ne sort pas, et j'ai tellement kiffé Traumatica que je suis en mode, je veux quand même que ça sorte, que la vidéo sort avant que Traumatica soit finie. Donc c'est pour ça, je suis désolée, je vous condense un petit peu tout. Je vais essayer de reprendre un vlog mieux, que ce soit plus sympa. De toute façon, ce week-end, moi j'ai de la vidéo à tourner pour que ça avance quand même. Et que je prenne pas trop de retard. Mais voilà, on ne sait jamais ce qui arrive. D'ailleurs, je voulais en profiter pour vous en parler depuis quand ? Depuis avant les vacances d'été ou pendant les vacances d'été, je sais plus, je suis devenue une accro de Starbucks. Moi, j'aime pas trop le café. Mais les cafés de chez Starbucks, mazette, qu'est-ce que c'est bon. C'est très très bon. Et là, en ce moment, bon, ça fait depuis septembre, hein, je crois. Hein, depuis début septembre, qu'ils ont mis le café Pumpkin Spice Café. Donc moi, j'adore. Dès que je passe à côté d'un Starbucks, j'en prends un. J'en vois pas très souvent, hein, parce qu'il faut que j'aille en ville pour ça. Donc j'en prends un, mais j'adore ça. Et du coup, quand je fais mes courses, je me suis dit, je testerai bien les petites boissons fraîches de Starbucks. J'ai testé le café latte. Ça passe, mais c'est pas foufou. C'est pas mauvais, mais c'est pas fou. Et là, aujourd'hui, j'ai testé celui-ci. Cookie Cream. Je pense du coup à mon livre avec les serial killers. Ceux qui ont lu le livre, ça y est, hein, vous savez de quoi je parle. Je vous dis rien, faut pas que je vous spoil. Donc le frappuccino café drink que j'ai goûté, oh punaise, hein, ce livre, punaise. Donc j'ai goûté celui-ci là aujourd'hui. Ouais, la texture donne pas très envie, mais est-ce que vous voyez les yaourts liégeois au café? Alors, je suis une grande fan de ces yaourts-là, les liégeois au café. Oh, c'est trop trop bon. J'essaierai de vous trouver une image, vous l'insérer, pour vous voyez quel yaourt c'est. Ben, imaginez-vous ça, façon liquide et un chouï plus caféiné. C'est trop bon. Ça, c'est trop bon. Par contre, ouais, c'est, je crois, 2 euros ou un truc comme ça. En tout cas, je sais qu'elle est plus chère que les autres parce que là, elle est dans une bouteille en verre au lieu d'être dans une bouteille en plastique. Mais bon, c'est trop bon. De temps en temps, moi, je dis pas non. Je sais que mon chéri, lui, de temps en temps, il se prend une petite boisson énergisante, voilà, pour se faire plaisir. Ben, moi, ça va être ça, je crois. Je vais essayer de les tester au fur et à mesure, les petites boissons fraîches de Starbucks. Mais celle-ci, elle est validée, hein. Je l'adore. Bon, je m'excuse un peu pour cette fin de vlog qui est un peu fouillie. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si tout ce que je vous ai montré pendant le parc vous a plu, ou s'il y a des choses que vous aimeriez plus voir de certaines façons. Tout simplement, pourquoi je vous demande ça? Parce que le 9 novembre, je vais au parc Astérix avec un de mes frangins et mes belles-sœurs et mon chéri, bien sûr. On va se faire les manoirs hantés. On l'a fait l'année dernière et je leur en ai tellement parlé qu'ils m'ont dit, vas-y, on le fait ensemble. Du coup, là, je leur ai parlé de Traumatica. Ils ont dit, vas-y, l'année prochaine, on le fait ensemble. Du coup, voilà, s'il y a des petites choses que vous aimeriez plus voir, plus d'infos et tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai au mieux pour le 9 novembre pour le parc Astérix. Par contre, oui, je ne peux pas filmer à l'intérieur des manoirs, c'est interdit. Il n'y a qu'un manoir où j'ai pu le faire, c'est dans Europa Park, pas dans Traumatica, dans Europa Park où justement on pouvait filmer. Bon, j'ai pas eu de chance, il manquait des personnages, mais voilà. Si jamais c'est ça que vous voulez voir, malheureusement, je n'en ai pas le droit. Et je n'ai pas d'équipement pour me filmer moi directement. Donc voilà.
En tout cas, moi, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, même si cette fin est un peu chaotique. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut !